Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu A Plague Tale Innocence. Et donc nous avons découvert qu'ils avaient un secret, ils ont découvert un truc qui permet de... Allez, c'est juste un cimetière. De créer Odoris qui permet de... d'attirer en fait les rats vers un endroit lorsqu'on jette. Et ils sont partis avec pour l'amener... Encore des morts. Pour l'amener au bastion, là où... Arthur est maintenu prisonnier. Et donc on est juste derrière là où on était, ok. Donc on se dirige toujours vers l'université, nous de notre côté, pour essayer de récupérer le Sanguinis, le bouquin qui nous permettra de sauver notre frère. C'est quoi ça? C'est du soufre. Ok. Hop, comme ça on ramasse. Très bien. Encore des morts. Tac tac. Non, là y a rien. Qu'est-ce qui vous excite comme ça? C'est peut-être Odoris, justement. Bon, on va essayer de voir ce qu'il y a en dessous. En éclairant. Tiens, tiens. Ah bah voilà. Les fameux cristaux. On saute? Ok. On va pouvoir les récupérer, voilà, bah. Épisanguis. Vous pouvez désormais fabriquer de l'eau d'Odoris. Maintenez tab pour ouvrir le menu de sélection. Attire les rats alentour. Ça c'est plus qu'à essayer. Ok. Lucas, ça c'est pour toi. Parce que j'en ai là-bas à récupérer, c'est ça? Ah oui, parce que je peux pas remonter. Très bien. On va les attirer là-bas. Super, ça marche. Ça marche. Sauver la vie. Il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi, l'effet ne dure pas longtemps. Ouais. L'épisanguis s'étend les possibilités d'amélioration de l'équipement d'Amicia. Appuyez sur I pour ouvrir le menu d'artisanat. Ah ouais, alchimie, récipient. Augmente la durée d'effet d'Odoris et de Luminosa. Et la munition d'Inifer distrait les ennemis alentour. Wow, il y a de plus en plus de choses dans ce jeu. C'est trop bien. Allez. Bah ouais, on va pouvoir l'utiliser à nouveau du coup. On va les attirer là. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Super. Y'a quoi là-haut? Là-bas, on dirait la sortie. Allez, j'y suis presque. Ok, bah on va aller là du coup. Si la sortie là-bas... C'est fermé. Non, c'est fermé. Bon, bah très bien. Ok. Le faisceau lumineux. Faut que j'en fabrique encore. Ok. On va les attirer là. Plus vite. Le sol s'est affaissé. Super. Je dois trouver quelque chose pour me hisser. Quelque chose pour me hisser. Wouah, plein d'épis sanguis. Trop bien. On se met derrière. Là-bas, j'en ai pas. Oh, et là, je peux pas aller là? Est-ce qu'ils ont des trucs par là Non, y'a rien. Ok. On va essayer de monter. On va essayer de monter là. Très bien. Il y a plein de trucs. Ça tombait bien. Hop là. Tac tac. Là il y a de l'épisanguis, on dirait. J'arrête. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Elle est où la charrette? Bon, j'imagine qu'on va finir par la voir. En marchant, en fouillant. Oh super. Une charrette. Non, c'est pas ça. Bah alors? Ah, je la vois. Je la vois, très bien. On va s'ouvrir un chemin par là. Ok. Euh,
ça n'a pas duré assez longtemps, Odoris. On va essayer. Ah, je pouvais faire je suis con. Oh, je suis trop conne. C'est pas la première fois. Allez. J'arrête. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. D'accord, ouais, c'est bon, je vois où ça m'a remise. Okay. On va récupérer les trucs qu'on a perdus. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Je pense pas que ce soit l'odoris qu'il faille utiliser du coup. Peut-être la lumière. Peut-être. J'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. On retourne en arrière. Là j'avais rien. Non, là j'avais rien. Ah non, attendez. Est-ce que... Non, ça n'éclaire pas de l'autre côté. Donc c'est vraiment que là que je peux éclairer pour passer. Très bien. Ça là-bas, c'est quoi? C'est un pot, c'est quoi? On essaye Luminosa? Non, ça me paraît chaud que ce soit ça. Y a rien que je peux allumer. Non, je vois rien à allumer. Mais en fait, c'est simple, hein. C'est soit Odoris, soit... Ouais, mais Odoris, je me suis fait défoncer, ça les distrait pas vraiment. Ok, bah Luminosa, c'est parti. On tente. On tente. Allez, dis-moi. Oh non, bah c'est pas ça. Je vois pas ce que ça peut être. Là vraiment, je vois pas. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Comment je peux me faire un passage? Ah, j'ai compris. Attendez, j'ai une idée. Je peux pas ramper en dessous là? Ouais, mais les rats restent toujours là. Je vais voir. Déjà, on va les récupérer aussi à gauche, là. Hop là. On y va. Mais ça me paraît bizarre. Pourquoi ça éclairerait de l'autre côté si je pouvais passer en dessous? On va y aller, peut-être qu'elle va dire quelque chose. Non, bah non, non, non. Faut pas que je passe en dessous, du coup. C'est pas ça. Donc, j'ai pas le choix. De toute façon, faudra que je fasse repasser la charrette. Hein. Donc, voilà. Donc, si je vais là-bas... Est-ce que ça, je peux le bouger ou... Non. Bah merde, alors. Si je leur mets Odoris... Là, ça fait quoi? L'odoris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Je dois les coincer une fois pour toutes. Je dois les coincer. Permet de coincer les rats. Attendez. Ou de bloquer les rats. C'est ce qu'il nous avait dit ça la dernière fois. Hein. Allez, tous à gauche. Allez, allez. Réfléchis, Alicia, réfléchis. Tu peux attirer Sera où tu veux. Tu dois les coincer. Je peux attirer Sera où je veux. Ah ouais, d'accord. Ok, je pense que j'ai compris. Si je les attire là... Si je les attire tous là, après je les bloque avec le rayon de lumière. Une fois qu'ils y sont tous, je les bloque. Voilà. Là, ils sont bloqués. Oui.
Super, merci le jeu d'être gentil et patient avec moi. Parce que franchement, c'était pas gagné. Allez, dis-moi que tu roules encore. Ouais, il roule. Par contre, il y avait un truc derrière, j'ai l'impression. C'est quoi ça? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux descendre? Pourquoi? Pourquoi je peux aller là? Il y a un secret? Ça peut pas être... Comme si cet endroit n'était pas assez sinistre. Morceau de transis. Les transis sont une version détournée des gisants, ces édifices mortuaires dénués de corps, ornés d'un bas-relief dépeignant un défunt dans une position paisible. A l'inverse, les transis représentent le trépassé de manière réaliste, décharné ou en cours de putréfaction. On les voit se multiplier dans les cimetières citadins, où l'afflux de dépouilles infectées participe à la propagation du grand mal. Les cadavres contaminés sont cependant placés dans des fosses communes, à l'extérieur des agglomérations, tandis que les transis reposent dans un lieu sain. Ok, c'est super intéressant, c'est vachement bien. Est-ce que ça... Ça me ramène là où j'étais tout à l'heure, là où c'était fermé. Trop bien! Peut-être parce que je peux pas remonter, si je peux. Ah bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ok, et là on pousse. Allez, c'est parti, on pousse, pousse. On pousse la charrette. Ah oui, c'est avec la souris que je contrôle, c'est vrai, j'avais oublié. Hop là, hop là, hop là. On repasse par là. Attends. N'importe quoi. Par là plutôt. Hop là. Parce que ça passera jamais de l'autre côté. Oh, oh non! Aussi, très bien. C'était vraiment très discret. Bah oui, mais bon. Bien, plus qu'à la déplacer. Pas trop le choix, quoi. Ah si, c'est là. Ok. On monte. Espace. Espace. Tu vois, super. Tu t'en sors. Tu t'en sors bien, même. Eh bah, c'était pas gagné, hein. C'était même très laborieux. Ok. On arrive où, là? On n'est plus dans le cimetière, on a traversé le cimetière. C'est quoi, ça? C'est du matériel d'alchimiste partout. Oh là là. Faudrait qu'on arrive à l'université. Ok, matériel d'alchimiste et des caches, super. C'est qui, ça? C'est un mort. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont tous été tués. Ok, alors. On va où? J'y suis presque. Kaka, t'as intérêt à exister, ton livre. Ok, il est là-bas. C'est fermé, ça, j'imagine. Oh non, j'étais pas obligée de marcher sur les cadavres, on va faire le tour. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la lumière là-bas. Oh mon Dieu. Ils ont massacré tous les malades. Oh non, non. Oh putain, il est pas mort. Oh, les rats, ils ont lâché les rats. Je le vois. Je qui a lâché faire. Les rats? Je suis désolée. Il est mort. Qui a lâché les rats? Putain. C'est pas possible. Ils ont utilisé les rats contre les malades. Ah ouais, d'accord. Les cages, elles servaient aux rats, en fait. Oh, quelle horreur. Oh, les connards. Ils s'en sont débarrassés comme ça, en fait. Très bien. Du soufre. On va fabriquer ça, du coup. On va pouvoir ramasser... Je suis désolée pour la perceuse, j'espère vraiment que vous l'entendez pas parce que ça doit être tellement chiant. Qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps? Une fois au bastion, ils vous donneront une bonne raison de crier, vous verrez. On a des artistes du couteau. L'odoriste, je pourrais essayer.
Ouais, on va essayer. Vous pouvez lancer de l'odorice sur un ennemi pour les attirer. Ouais, j'avais pensé, t'inquiète. Une mauvaise idée, t'inquiète pas. On va en profiter pour faire ça. On se dépêche, on se dépêche. Super. Pourquoi? Parce que c'est trop tard pour vous. On appelle ça la clémence. Quelle horreur. Rassure-toi. Tous les autres seront bientôt sauvés. N'importe quoi. Arrête de les balancer dans l'eau. Ils finissent tous de l'autre côté. On peut plus patrouiller là-bas tellement... Oh, tellement ça pue. Vous avez de la chance de sentir encore quelque chose. Quelle horreur. Bon, il est dans la lumière, lui, donc je vais pas attirer grand monde sur lui. Je peux l'attirer éventuellement. Ah ouais, je peux l'attirer là-bas. Attirer les rats hors du pont. Et le faire bouffer, ouais. T'inquiète. J'ai vu ça. Hein? C'était quoi ce vacarme? Va voir. Allez, mangez. Très bien, c'est exactement ce que je voulais. On va en refaire. On va refaire du dévorantis. Voilà, comme ça je prends ça. Je prends ça. Super. Je prends ça. Je prends ça. Je prends ça là-bas aussi. Allez, on se dépêche. Dépêche-toi, tant qu'ils sont en train de le bouffer. Pourquoi ils sont encore là? Allez, allez. Pissangouis. Les cages, c'est pas une simple évacuation. Non, on est d'accord. Allez. On va tous tomber malades à rester putain, ici. Putain, je l'avais pas vu. On se passera le mal les uns aux autres. Ah putain, il y en a deux. Jusqu'au grand inquisiteur. Ah, fais chier. Il restera plus personne. Mais ta gueule! T'as pas fini de chialer? Je veux plus t'entendre. Pas un mot. Oh là là, il est dans la lumière en plus, oh, putain. Comment je vais faire pour le faire tuer lui? Putain, est-ce que je peux essayer de passer derrière? Et d'aller là-dedans? Super. Putain, ça mène où ça? Et ça? Ah ouais, d'accord. Et de l'autre côté, ça mène où? On va essayer. Chariot d'alchimiste. Il doit y avoir des choses utiles dedans. Où ça? Où ça, un chariot d'alchimiste? Je suis un peu aveugle, tu sais, alors... ouais, comment je fais pour les tuer, là? Luminosa, ouais. Luminosa, je pense. Et là, je me dépêche de passer. Ouais, ok. Faudra que je repasse en marche arrière. Ça va être chaud. Oh, cool. Alors. Peut-être refabriquer du Luminosa. Voilà, très bien. Je prends ça. Je prends ça. Oh, il y a tellement de matériel, trop bien. En même temps, ouais, j'en ai utilisé beaucoup, hein. Super, attirail c'est quoi? Ah oui, je n'ai plus besoin d'un atelier. Récipient, ça augmente la durée d'effet. Et la munition d'unifère distrait les ennemis. De meilleurs outils permettent à Amicia d'être plus précise dans la confection de l'unifère. Le mélange affiné gagne en puissance, ce qui entraîne un fort crépitement lors de sa combustion. Et récipient, séparé par de petites lames de bois à l'intérieur du récipient, les différents types d'ingrédients restent purs plus longtemps, ce qui augmente leur efficacité. On va augmenter, je pense, l'efficacité des deux, ce sera mieux. Pas mal. Pas mal du tout. Voilà, ça va nous protéger un peu plus. On pourra prendre plus notre temps pour fouiller des trucs en utilisant ces deux sorts.
Ce sera mieux pour nous. Oh, punaise, c'est la caverne d'Ali Baba ici, hein. Hop là. Fouiller encore. Alors. Ah oui, ça m'amène de ce côté-là. Ok. Très bien. On va repasser dans l'autre sens. Est-ce qu'ils sont revenus? Non, ils ont pitié de moi, ça les a vraiment détruits. Génial. Super. Hop. On va retourner avec nos deux ennemis. Putain, lui, on est vraiment dans la merde. C'est qu'il est vraiment juste derrière le... Est-ce que je peux pas l'endormir, lui? On va essayer de rendormir celui à gauche. Et d'attirer... on verra. On verra pour celui à droite comment on fait, mais on va essayer ça en tout cas. On va se laisser là, nous, pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la suite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt !